cet épisode, j'accélère juste un petit peu. Ah ! Oh putain ! Je fais peur à une fille. Un scooter tente de me provoquer. Je l'ai remballé ! Je trouve une excuse. J'étais en mode custom, je sais pas si ça a changé si je me mets en mode sport, sport. Et je glisse un petit peu. Wow. Tout à l'heure, je vais être dessus comme ça, je vais être en mode. Petite moto électrique. Et oui, je suis sur une Zero, une putain de Zero, une petite Zero DSR, donc qui est une des deux motos les plus puissantes de la marque. Oh là là, c'est génial comme sensation. Je l'ai toute la journée. Donc ça c'est super cool, merci beaucoup à Italy Bike qui me prête cette moto, vous êtes géniaux. J'espère en tout cas que l'intro vous a plu, et il y aura une petite outro, donc restez jusqu'à la fin, il y a la suite. Ah oh, c'est tellement agréable comme moto. Pas de bruit de moteur. Bon alors, on est sur cette moto, on est vachement haut, et on est vraiment droit, un peu en mode super mal je trouve. Le guidon est super large, c'est vraiment cool. Les sensations sont excellentes à ce niveau-là. Je suis 1m83 déjà. Les suspensions. Oh là 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 là, tellement agréable. Alors cette place aussi, je la redoute. Il suffit de regarder par terre pour comprendre pourquoi. Mais avec cette moto, ça devrait passer crème. C'est super agréable. Du coup, mode sport. Sport, j'ai peur. Mode super mat activé. Oh putain! Suivez-moi sur Instagram, j'ai posé des photos de qualité. Wow! J'ai peur. On arrive sur la route à 70, du coup je vais pouvoir accélérer un peu. Et vous allez sûrement entendre ma réaction qui va un peu crier parce que ça va être impressionnant. Ah ! Oh putain ! Ah la vache ! Oh là là ! Ah ouais ! Je me tiens. Par contre j'ai perdu 2% de batterie juste avec ça. Le mode custom, je crois qu'il est en mode sport en fait. Oh putain! Château Thébault, c'est là-bas. Oh la vache! Oh là là! Vraiment, si vous avez l'occasion, si vous êtes dans le coin de Nantes, passez à Italy Bike, Italy Scoot, et demandez un essai. C'est des sensations. Vous pouvez dire que vous aimez pas, etc., mais seulement après avoir testé. Vraiment. Mais vous pouvez pas dire que c'est nul. Putain de merde. Oh, un chemin en terre, je vais y aller. Je veux y aller même, je vais, puisque je vais y aller. Alors la moto, logiquement, est faite un peu pour ça. Sauf que moi, je n'ai jamais fait de ça. Alors du coup... Pardon. Ça va, on a le droit de roter un peu. Puis y a pas de soucis, ça tracte ça, quoi. Ah. Wow. Ça glisse derrière. Ah, les suspensions sont vraiment bonnes. C'était la partie tout terrain. Petit tour de la moto, elle possède un phare avant, un phare arrière, des clignotants, des rétroviseurs, un tableau de bord complet, alors désolé pour floutage, il y a ma tête. Du coup on y retrouve le pourcentage de batterie, la vitesse, le mode, là je suis en mode éco, la température moteur, les tours minutes et un indicateur de consommation et de récupération de l'énergie. Également le kilométrage de la moto et une putain de selle super confortable. On a des suspensions Showa qui sont incroyables, une transmission par courroie, pas de levier d'embrayage ni de sélecteur de vitesse. Le frein avant et le frein arrière ont la position habituelle. On est sur du monodisque avant, 320 mm, et arrière en 240 mm.
À la place du moteur, on a des batteries avec une autonomie qui va de 150 à 300 km en fonction de l'utilisation et annoncée à 500 000 km de durée de vie. On a 70 chevaux disponibles et une vitesse max qui est de 158 km à l'heure bridée, donc ça s'arrête à 158. On a 144 Nm de couple, ce qui est énorme. Et on a la possibilité de régler la moto avec une application, donc tous les paramètres là, on peut les régler, le couple, la vitesse max, la récupération, etc. Le tout pour un poids de 190 kg, avec un prix de 18 440 euros pour la version 2017. Voilà une petite route bien sympa, que je vais essayer de pas prendre comme un gros connard parce que ça peut être dangereux, mais super sympa cette route. Le problème c'est que c'est que des virages comme ça. Ouais, j'ai glissé derrière. Oh. J'ai évité de ramener la moto dégueulasse. Mais si je peux aller là. Oh, vous inquiétez pas, elle a de la batterie. Merci. Vous inquiétez pas, là, de la batterie, elle a que ça de toute façon. Donc le braquage est pas énorme. Il est bien, mais sans plus. Oh putain, non. Pas bonne idée. Oh putain. Oups. C'est dit. Non. Ah la vache. Nous sommes donc sur le périphérique nantais. Forcément, cette moto, il faut savoir qu'elle est adaptée vraiment pour la ville et le périph. Tout ce qui est urbain, périurbain en fait. Un peu les balades à côté, mais ça va pas aller très loin. Grosso modo, tu as 100 km aller-retour. Donc tu peux pas aller forcément très loin, même si, par exemple pour moi qui fais pas forcément des grosses balades, mais beaucoup de petites, c'est plutôt adapté à ce que je fais. C'est très agréable, il n'y a aucune vibration sur cette moto, il faut le savoir. Là, j'ai rien comme vibration et c'est super agréable. Ok. Ça accélère. Ouais, j'ai senti, ouais. J'ai entendu le « Oh putain de merde !» J'ai un peu surprise. Ouais, bah. Je l'ai remballé, le mec, en scooter. Bruh. Ouais. Un centimètre
Il n'y a pas de centimètres cubes, c'est un moteur électrique. Ça fait 60 chevaux équivalents. Ah, merci. Cet homme teste une électrique pour la première fois. Oh la vache, ça accélère la vache. Vous voyez tous les gens qui se plaignent là? Testez-en une et vous verrez que c'est génial. T'as tout d'un coup quoi, c'est génial. Le lent en fait sans embrayage c'est chaud parce que t'as pas le même feeling quand même. C'est bien pour la ville mais pour vraiment l'exercice du lent c'est un peu pourri. Bon, merci du coup. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je voulais aller voir la concession Tesla. Je savais même pas qu'il y en avait une. Je savais qu'il y avait des superchargeurs, mais qu'il y avait une concession. Ah ah, trouvé. Juste prendre quelques photos de toute façon. Suivez-moi sur Instagram, j'ai pas des photos de qualité. Je trouve ça trop classe. Rechargeons notre Tesla. Hop. Sur la place. Il y a un trou là, il y a un trou. Ça ne marche pas. La vache, ça accélère quand même ton truc. Deuxième manche. J'étais en mode custom, je sais pas si ça a changé si je me mets en mode sport. Je te laisse faire l'écoute klaxon cette fois-ci. DSR contre GSX-S 750. Bah GSX-S gagne. Tu t'accroches derrière aussi du coup? Ouais. Donc je précise pour la vidéo que madame, du coup il n'y avait rien de base, il n'y a rien pour s'accrocher derrière, mais qu'il y a une accroche top case et ça permet aussi de du coup s'accrocher pour le passager, sinon elle s'accroche à nous. Du coup on teste un peu avec une passagère, pour savoir qu'on l'avait déjà amené une autre fois lors de l'autre journée. C'est super confortable, vraiment à l'arrêt elle m'a dit les suspensions tout ça. Wow. Tu préfères ça ou la moto de par exemple? C'est différent? C'est différent, oui, mais les deux sont bien. Ok. On les sent même pas? Hein? On les sent même pas? Ouais, enfin si, j'ai quand même un petit peu décollé, mais tu te sens pas trop lancé. Non, t'as pas décollé, non. Si, un peu. Test de Dodan 2. Ah ouais! Ceux-là, ils sont un peu plus méchants. On va peut-être sauter. Tu vas sauter, je suis désolé, t'apporte. Ouais, c'était un peu bon, hein. Oh, on critique pas. C'est franchement pas désagréable. Alors, on oublie que ça accélère autant, hein. Ouais, non, mais elle envoie, hein.